Formula Gulf 1000, an open-wheel Formula series unique to the UAE region, featuring the FG1000 car. This is a single championship sport consisting of two rounds and two races per round. All race finishers will earn points, and bonus points are awarded for fastest qualifying time and fastest race lap time. The pit lane is open for repairs and tire changes, but no refueling is allowed during qualifying or races. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle partie de notre carrière sur Project Cars. Et comme vous le savez, eh bien, la version 2.0 de P-Car est disponible. Donc, eh bien, ça veut dire nouvelle mise à jour, nouveau profil et donc nouvelle carrière. Et comme vous l'entendez, on va avoir droit à plusieurs tutoriels qu'on a déjà eu. Je vais essayer de vous les passer un maximum. Et comme beaucoup me l'avaient demandé, eh bien, nous allons faire escale à Dubaï puisque la chaleur ambiante actuellement est de pas loin de 35-40 degrés dans nos contrées en France, en Belgique. Salutations d'ailleurs à nos amis du Québec qui doivent avoir un petit peu moins chaud en ce moment. Bref, on est sous la chaleur du désert de Dubaï pour cette manche. Alors on va faire une petite session, on va s'exiler pendant deux épisodes, celui-ci et le prochain, où on va aller disputer la Formula Gulf. Alors la Formula Gulf, c'est quoi? Eh bien basiquement ce sont des formules Renault à litre 6 je crois, ou des formules Abarth. Eh bien ce sont des voitures assez rapides, un petit peu puissantes, et on va les découvrir ensemble puisque je n'ai quasiment jamais roulé avec ces voitures. Donc on est parti avec le T500, je n'ai pas le volant monoplace puisque ça demandait beaucoup de changements uniquement pour ces deux week-ends de course, donc on va garder le volant de type classique. On va découvrir surtout le tracé de Dubaï qui est une nouvelle piste, donc on va la faire ensemble une fois pendant ce tour de sortie. Ça va me permettre et de vous présenter le circuit et de l'apprendre, et surtout de vous parler un petit peu de la mise à jour de la carrière puisqu'il va y avoir quelques nouveautés. Au-delà du fait que j'ai redémarré complètement la carrière, eh bien la difficulté est maintenant augmentée à 90% pour ces monoplaces, et voilà, c'était la première chose. Et surtout les dégâts sont maintenant entiers, donc il y a dégâts mécaniques et dégâts physique, donc il va falloir éviter nos adversaires et ne pas enchevêtrer nos roues pour simplement arriver au bout de l'épreuve. Donc on a signé pour deux grands prix, deux courses finalement, de week-end de ce championnat qui va être très court. On verra après ce que l'on fait. Donc il n'y a toujours aucune assistance autorisée, donc on est en configuration réelle, c'est-à-dire que si une voiture a les aides, eh bien nous en bénéficierons à notre tour. Et vous voyez que les pneus à chauffer, ça va être compliqué. Et on va entamer le deuxième secteur. Les voitures glissent pas mal. Je vais faire un petit peu de setup aussi. Mais tout ça, je le fais bien sûr en off. Mais comme ça, en séance d'essai libre, vous allez voir un petit peu à quoi ressemble ce tracé de Dubaï, qui est plutôt sympathique, avec vraiment les buildings au fond. Et derrière nous, ça bastonne pas mal. On veut nous passer dedans, donc on va pas, j'allais dire, on ne va pas risquer l'accrochage, mais finalement, on a été contraint de se faire percuter parce qu'on n'était vraiment pas au bon endroit. Alors, je n'ai quasiment jamais pratiqué ce tracé de Dubaï. Je sais qu'il y a les 24 heures qui s'y disputent chaque année, mais au-delà de ça, je n'en sais pas plus. Alors, il va falloir bien sûr régler cette voiture parce que sinon, on va faire de très mauvaises performances. On va voir avec un setup de base et un circuit que je ne connais pas si j'arrive à faire quelque chose de correct. On va voir déjà au niveau de l'étalonnage de la boîte si on peut faire quelque chose. Circuit assez bosselé, malgré qu'il est récent. Je crois que c'est une des pistes que l'on doit à Hermann Tilke, le designer allemand de la Formule 1. À qui on doit par exemple Bahreïn, Shanghai, de mémoire, et le circuit du Grand Prix de Turquie à Istanbul. Alors on arrive un peu tard ici, on bloque pas les roues, ça va, la répartition de freinage est pas trop mauvaise. Comme j'en aurais mis peut-être un peu plus vers l'avant. Alors ça c'est moi qui ai changé les boutons. Voilà, ce que je voulais, c'est voir un peu où j'en suis dans mon chrono à droite. Comme ça, vous avez le maximum d'informations.
ici on est en bout de cinquième. Et ça passe. Alors ici je prends très mal le virage, c'est pas du tout la trajectoire idéale, mais bon. Est-ce qu'ici ça passe pied à fond? Oui. Et on va boucler le premier tour quasiment de ma vie sur ce tracé. Et on a fait le 20e chrono, ce qui est une catastrophe. Donc on va se retrouver pour la séance qualificative d'ici quelques instants. Place maintenant à la séance qualificative sous, eh bien, la fournaise belge et de Dubaï. Hein, on fait un combo cette fois-ci. Et on va partir donc pour les 10 minutes de qualification. Il va falloir faire une place dans ce peloton de Formule 1000 Golf. Et à nous donc de faire le meilleur de nous-mêmes pour eh bien, ne pas partir trop loin. Ce sera un bon début hein, pour une voiture que l'on ne connaît pas et un circuit que l'on ne connaît pas. Alors si vous avez entendu un petit cri, c'est mon replacement de siège puisque je glisse un petit peu. Oh, et là on est très gourmand. Et ici aussi, et là on va avoir un timeout de... Ah, même pas. Ah, c'est bien que Project Cars retranscrit les problèmes qu'on a dans la réalité, c'est-à-dire que les pilotes sont d'une gourmandise incroyable, vont au-delà de la piste et ne sont pas pénalisés. Alors le premier chrono, c'est le 9e temps. On va continuer à pousser, on est déjà 10e. Il nous reste 1 litre 7, on consomme 1 litre et on est déjà trop chaud au niveau des pneus avant. Donc on va essayer d'améliorer nos secteurs. On va voir en haut si on peut faire ça. J'ai été perturbé par le changement de mon motec en haut. Et on met 3 centièmes de mieux. C'est rien du tout. C'est pas du tout ce qu'il faut. Alors, on est derrière Yoel Jung. Et on est clairement un manque de relance. Donc je pense qu'on peut vraiment raccourcir la boîte pour corriger ce problème de relance. Alors qu'on nous indique que le carburant est faible, mais ça c'est normal. Et on a retrouvé une température correcte au niveau des pneus, donc je pense qu'un peu plus de pression dans les pneus et une boîte un peu plus courte pourrait nous faire gagner du temps. Mais par contre, est-ce qu'on aura encore le temps d'appliquer tout ça? Une demi-seconde de mieux dans le deuxième secteur. C'est déjà mieux. Alors là par contre, le gros sous-virage dans la courbe ici. Allez, virage en courbe, c'est vraiment pas notre fort. C'est vraiment pas là où on gagne du terrain, au contraire. Allez, on va essayer ici de ne pas perdre trop de temps en ressortant. Et on améliore le 9e chrono, ça va mieux en virage. Et ça relance avec un peu plus de pêche. Exactement ce qui nous manquait, par contre on a vraiment un gros défaut. Et on a une... alerte. Alors est-ce que le tour va être compté? J'ai pas vu. Oui, le tour est lancé. Mais est-ce qu'on va avoir la pénalité? On n'a vraiment aucune vitesse en courbe, pourtant on a de l'appui. On a peut-être dû assouplir un petit peu la voiture, je ne sais pas en tout cas. On a de quoi faire un meilleur secteur en tout cas. On va être un peu plus rapide, ça c'est sûr. A nous maintenant de ne pas aller au-delà du vibreur dans ce dernier droit.
Et on relance. Oh, et on est allé assez loin, mais ça passe. Et on garde le 13e temps. Et on peut encore en faire un, puisqu'il reste 10 secondes. Ce sera notre dernier. Toutes nos chances sont maintenant lancées dans ce tour. Et donc fin des qualifications, ce qui fait qu'on a maintenant terminé ce tour lancé. Et à nouveau Poleman, et on tombe au niveau des vitesses. Et on a vraiment un manque de relance incroyable au niveau du moteur. Et ça va être un tour catastrophique, hein, parce qu'on est beaucoup plus lent. Et on fait le 13e chrono. Ce qui n'est pas miraculeux, mais il va falloir se battre demain pour la première manche. Et continuer donc vers la première course du week-end. This is the first race of your career. And remember one thing, to finish first, you first have to finish. Et on est parti, on a pris un très bon envol, on était à la limite de prendre un jump start. Et ça c'est un départ parfait, le calage de l'embrayage qui s'est parfaitement effectué. On est déjà dans le top 5, on va essayer de prendre un beau départ. Est-ce qu'on va faire le grand hold-up? Attention, le premier virage à droite, la numéro 5 qui se présente à l'intérieur. Est-ce que ça va passer? Il y a contact entre les deux leaders, pour nous ça passe pour l'instant sans dégâts. Et on est potentiellement troisième à la sortie du premier virage et c'est maintenant chose faite. Attention devant, on peut encore gagner des positions et surpris par l'adhérence de la voiture dans le deuxième virage et la ligne droite ici. On a tenté de venir nous chercher dans les rétroviseurs mais ce n'est pas passé. On tient la troisième place, ce qui est une très bonne nouvelle au niveau du championnat déjà. Devant, il y a une attaque qui est déjà entamée et c'est maintenant que l'on doit gagner les positions visiblement parce qu'après ça a l'air d'être serré et ça s'échange le commandement devant. Avec Sultan qui perd la tête, qui va la reprendre, ils se touchent tous les deux, attention ça peut être bon pour nous. Nous on est allé eh bien, visiter un petit peu l'extérieur des lignes blanches. Attention les deux leaders côte à côte, c'est une superbe bagarre à laquelle nous assistons en tant que spectateurs privilégiés dans cette première manche. Et attention parce que là, si les deux décident de se mettre dehors, on peut en profiter. Et en tout cas, l'agressivité dans le peloton qui est tout haute de ce qu'on avait en Ginetta Cup en Angleterre. On sent qu'on a beaucoup d'enjeux. Et ici, on a peut-être une possibilité en se plaçant à l'extérieur. Et on touche Sultan. Attention, il doit nous laisser la place. De nouveau contact avec le pilote qui était deuxième. Alors, on va essayer en deuxième ici de garder la deuxième place. On est presque touché par la monoplace numéro 5 alors que l'on comble le premier des trois tours de course de cette première manche du week-end. Et après un sublime départ, nous sommes donc deuxième. Alors on a réussi à bien caler l'embrayage, on est peut-être sous la menace eh bien, d'une pénalité. En tout cas, pour l'instant, tout se passe à merveille pour nous. On est deuxième, on a corrigé les soucis de la qualification, on partait 13e. Et je vais tout de suite être honnête avec vous, je vais plutôt tenter de conserver la voiture jusqu'au bout, sans forcément aller chercher le garçon devant, sauf si l'opportunité se présente. On va jeter un œil sur les températures au niveau des pneus. On est très bon, on va garder un petit peu cet affichage hein, pour que l'on puisse eh bien, savoir où en est la voiture dans ces températures, chose importante sur un circuit comme Dubaï. Et ici, le droit en tout cas, une voiture très très vive. Comparée aux qualifications, on a corrigé ce manque de relance en retravaillant la boîte qui était un petit peu trop longue. On n'avait pas besoin d'autant de vitesse de pointe, au contraire. Ça sera peut-être le cas sur le deuxième tracé tout à l'heure. Puisque l'on va assister à un deuxième meeting cette semaine. Et lors du second meeting, il y aura une piste, je crois, un peu plus longue que celle-ci.
Évidemment, on est plus rapide avec 7 secondes dans le deuxième secteur. Et les voitures qui souffrent, à part cette température, évidemment, les températures de pneus qui ont dû être également retravaillées. Et on me dit qu'il faut attaquer dans les virages lents. Alors cette dernière courbe, avec un bon réglage, peut être passée en 3. Malheureusement, je vais devoir repasser en deuxième pour avoir assez de relance. Mais je pense qu'avec une voiture différente, la troisième peut être adaptée. Et on entame le dernier tour. Et le dernier tour maintenant, comme vient de nous l'annoncer notre spotter. Et il nous demande de rester en un morceau, de ramener la voiture à l'arrivée. C'est ce qu'on va d'abord tenter de faire, c'est gagner un maximum de position. Et je pense que pour la deuxième course, on partira eh bien bon dernier, puisqu'on a rentré qu'un chrono. Ou peut-être parmi les 5 derniers. Attention, on est plus lent dans ce deuxième secteur. On va également un peu plus sur les vibreurs. On continue d'attaquer. Attention au pneu avant gauche qui est en train de prendre un petit peu plus de température que ses petits camarades. En tout cas, ça aura été une course qui nous aura réservé jusque-là pas mal de bonnes surprises. En tout cas, la bagarre avec les deux leaders était assez impressionnante. On a pu en profiter. Et on me dit que je suis capable d'aller chercher Yazan Amadé. Yazan Amadé, le pilote en tête, mais je ne l'entends pas de cette oreille. N'en déplaise à mon spotter, eh bien on va prendre les points de la deuxième place et peut-être tenter de prendre les points eh bien, du meilleur tour en course. Et on est encore en train d'améliorer après le premier secteur, le second de 2 centièmes, et ça pourrait faire l'affaire. On va voir en tout cas ce que ça va nous dire au décompte final des points. On verra ça après, une fois la ligne d'arrivée passée. En tout cas, le peloton qui se défend bien. La mise à jour 2.0 du jeu est très appréciable. L'IA est beaucoup plus structurée et parvient même à se battre, on l'a vu. Et c'est le dernier droit et on va assister à la victoire de Yazan Amadé. Et pour nous, ce sera les points de la seconde place. Bel effort en tout cas lors de cette première manche. On arrive à garder pas mal de points dans notre escarcelle. Donc c'est plutôt pas mal et on fait donc deuxième. Et alors si on va jeter un coup d'œil, donc eh bien 22 points, donc je ne sais pas si nous étions le plus rapide. Et c'est parti, on prend un bon départ. Et est-ce qu'on va pouvoir déjà prendre le commandement? On a une bien meilleure accélération que le leader. Yazan Amadé qui va peut-être eh bien, garder son commandement et sa pole. Oui, attention à l'intérieur à Sultan qui se présente. On va devoir élargir si on ne veut pas perdre beaucoup de place et se faire toucher. Et on va déjà replonger dans la chicane à l'intérieur. Est-ce qu'il y a la place? Non, il n'y a pas la place. On se touche. On parvient à garder la voiture, mais on est poussé par beaucoup de monde. On est 7e. Et peut-être même 8e avec le pilote sur notre gauche qui est un peu plus rapide. Il s'agit de Weiron Tan. Et Weiron Tan qui va peut-être nous empêcher de prendre la bonne trajectoire pour le freinage ici. Et finalement non, alors que devant c'était très large là pour Saed Ali, pardon. Et pour Saed Ali ça a été très large. Et donc on a perdu des plumes dans ce premier tour. Et on est 6e après le contact de la monoplace en seconde place. Et devant, c'est de nouveau du roue contre roue. Oh là là, ils sont à deux de front. Et c'est passé. Et Saïd Ali qui vient donc de perdre une place sous nos yeux. La monoplace 99. Et on va tenter à notre tour d'aller attaquer le pilote de la monoplace blanche et noire. Et on se place à l'intérieur et on arrive à le toucher. Mais a-t-on réussi à le doubler? On va voir dans la relance de la ligne droite si notre moteur respire mieux. Et c'est pas gagné. Il est là, on ne le voit pas, il est dans l'angle mort. Voilà, le voici, le pilote de la 99. Alors, est-ce qu'on pourrait au moins aller chercher un podium, histoire de sauver un petit peu ce week-end qui aura été agité, c'est le moins que l'on puisse dire.
Et le soleil qui commence à disparaître. Et devant nous, une attaque pour la troisième place entre Saïd Bintouk, qui vient de se faire prendre le podium. Et je pense qu'on va être les prochains à lui causer du tort lors de ce deuxième tour. Et on y va. Oh, et c'est le contact. On est allé peut-être plonger d'un petit peu trop loin. En tout cas, celui qui fait la bonne affaire, c'est Saïd Ali, qui reprend la quatrième place. Donc on a tenté. On y va comme les garçons nous l'imposent, c'est-à-dire au forceps. Il faut s'imposer face aux autres pilotes si l'on veut faire notre place dans le peloton. Et Saïd Ali qui n'a pas encore dit son dernier mot. Et nous non plus, alors que le soleil a complètement changé la luminosité de la piste également. On a perdu peut-être quelques degrés, en tout cas beaucoup plus d'ombre sur le tracé de Dubaï. Et des conditions qui vont peut-être favoriser et défavoriser certains pilotes selon leurs réglages. Et on entre dans la dernière boucle de ce week-end. Et attention, parce qu'on a toujours Sultan qui est derrière nous. Et je ne sais pas qui va s'en sortir devant au championnat, mais ça risque d'être disputé en tout cas. Pour nous, ce ne sera pas la tête du classement, ça c'est une certitude. À moins que vraiment il y ait eu des changements devant qui nous auraient échappé. Mais en tout cas, ce sera un début de championnat intéressant. On ne sera pas au moins avec 15 points d'avance sur les autres. Et comme ça, eh bien... Oh, il va à l'extérieur, je ne l'avais pas vu. Est-ce qu'on va se toucher? Non. Oh là là, c'était serré. Avec Haitham Sultan qui avait de nouveau trouvé comme bonne idée d'aller plonger à l'intérieur. En tout cas, ces garçons sont énervés, ça je peux vous le dire. Et ils ne donnent pas cher de votre position. S'ils peuvent la prendre, ils vont y aller. En tout cas, les 20 voitures qui composent ce peloton sont très décidées à attaquer. On va terminer le troisième secteur qui normalement... ne devrait pas nous imposer de changement de position, à moins vraiment qu'on prenne le dernier virage de manière assez hasardeuse, ce qui ne devrait pas arriver. En tout cas, le contact nous a fait faire une belle boulette, et c'est la cinquième place donc qui nous attend à la fin de cette manche. Et l'on termine donc ce premier week-end de Qatari, et on va découvrir donc le classement. On continue donc, et on est cinquième avec 16 points. Et on n'a rien ramassé, ni en qualif, ni en course, en tant que meilleur temps. Donc on va sûrement souffrir au classement général. On est troisième à quand même quelques points de Amadé, qui a donc remporté les deux courses. Il a quand même 23 points d'avance sur nous. Donc on n'a pas encore dit notre dernier mot. Il faudrait peut-être remporter les deux prochaines manches, en tout cas... ça risque d'être disputé. En tout cas, moi, je vous laisse ici pour cet épisode de la carrière de Project Cars. Et je vous donne déjà rendez-vous lors du prochain meeting de Dubaï où il va faire chaud. Allez, salut les amis et rendez-vous dans 2 jours. Salut.